dans une petite casserole sur la plancha une salsa brava. Donc, la salsa brava, c'est une sauce à base de poivrons grillés. Hein, ici, j'ai choisi des poivrons grillés en conserve, de l'oignon, de l'ail, de la tomate concentrée, hein, ou ici, c'est un confit de tomate séchée, hein, un petit peu d'eau, et l'épice principale, du pimenton de la Vera. L'assaisonnement de cette salsa brava, du vinaigre de Xérès et du sucre de canne. Une fois que cette sauce sera cuite, on va la mixer, hein, et on fera une émulsion avec de l'huile d'olive. Le degré fort de cette sauce sera en fonction du nombre de piments que vous souhaitez mettre. Mettre un peu d'huile d'olive. On va mettre les oignons. On va ajouter les petits poivrons grillés, taillés en dés. L'ail. Le sel au piment d'Espelette. Nous allons mettre la tomate, on va mettre la tomate confite en purée, voilà, alors on va laisser compoter encore. Là, on va mettre une belle cuillère à café, allez, une et demie de pimenton de la Vera, le paprika doux espagnol et une belle prise de sucre. On va ajouter le vinaigre de Xérès. Voilà. Voilà. Notre sauce, elle commence à prendre une belle couleur engageante. Alors, en fin de cuisson, on va la mixer et on va faire une émulsion avec de l'huile d'olive.